Adieu, Bouete. Ah, il n'y a pas de l'ombre. Un héroïzo. Tata rompave. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps.
Devono ke sukia sukia ke boko ke boki nga wani sinkende ore ya nyambye nyona me ono ndo ke kamba tata mwere bono mere bulye mane ah monge peka nda kina ko me sono si kambina mere bulye mane na roji na rokenda go go ndo elombe zere mane ga ba kilintse ba kilombe yazo awana imbolo arere na bota walu ikambi nyeni imore kamba no mwana isonye wonjo za ikonzi ipo ranyo ikotiza ejoko aro imere bala orema zange ah Dogi nchugu saneno visa kava kili wao ni lombe yawe ya nyambi enyo na meino nyere manaka were mi kava kili nte. Awa kili nte malo mane mieno mwere mwere mwena wao nubio nubia duma kapututu apututu nubie nubia igongo. Epkenda na ega jingi na kakoko kukiro wano kira kalike wana momba na kente. Azo sakati kumye lombe ono wanyambie nonga we. Hon. Itangani. Mie suki za nabono. Kujokore lombe zino zibe gira mie nanwe. Anwe monge suunga mie umori. Anakawe obeba ambiza mina doa tato nubye. Nipila nesani. Nakawe ngebono we kenda ki popole ya ki kambina. Kesuki azuki ko kebogi nogo. Anakanya anaka. Azo sakati kujena ne nduwa nini yao, ni ndendi ni yao, ere du. Ikambi wawe, hon. Nyemba nyemba, wekenda kina komeso. Mwe kebela kantobi mungi mori, wewe kutu jeno kina komeso. Merci une fois de plus d'être branché sur ma chaîne, l'élu de Tétan Zambelo Tout-Puissant, laquelle chaîne elle est là pour révaloriser. Pour réveiller les consciences d'abord de mon peuple gabonais dont je suis originaire, malgré le fait que je vive ici aux États-Unis. Le but de la création de cette chaîne, l'élu de Titan Zambé, c'était d'abord de réveiller la conscience de l'homme noir, en particulier la jeunesse gabonaise, et de manière générale, le peuple noir. Donc, je n'ai pas à vous demander pardon parce que j'ai ouvert l'introduction par une phrase, par ces mots qui paraissent étrange pour certaines personnes. Pour ceux qui ne le savent pas, en dehors de l'anglais, l'espagnol, le russe et le mandarin, qui est l'une des langues nationales de Chine, que je maîtrise très bien en tant que langue internationale, je parle au moins 5 à 6 langues de mon pays. Et je peux entendre et bien comprendre les mots 17. Et parmi les 17, je parle 5 sur les 50 que nous avons au Gabon. J'ai grandi dans ce milieu de la sagesse, auprès des vieux. Quand je repars, je vois les bons moments que j'ai passés avec les grands-parents. Je prendrai le cas de ma grand-mère. En 1969, autour du feu, elle m'a fait passer cet message. En 1971, on est dans le village qu'on appelle le Vindringissir. Toujours avec ma grand-mère. Je parle de ma grand-mère Sake. Parce qu'elle était toujours à côté de maman. Et quand on descend à l'Ambaréné, de la même année, ainsi je fus introduit auprès de la petite sœur à ma grand-mère, Mouma, qui épouse un Bakota, un Bombo. Ce dernier donc va me former dans les rites et traditions du village. Et va toujours me dire ceci. Toute chose dans la vie, c'est de marcher en harmonie avec les lois de la nature. Parce que la nature nous observe. La nature nous écoute. Et même là où je vous parle, vendredi, il est minuit. Aucun bruit. Je suis dans une zone vraiment privilégiée. Il n'y a pas de bruit ici là. Les murs là enregistrent ce que je dis. C'est cela qui fait partie de la nature. Ma chaîne qui est en train de ronfler là,
Quand elle me regarde parfois, je viens du travail, elle est contente, elle danse, elle saute. Parce qu'elle observe. Pourquoi elle m'aime beaucoup comme ça? C'est parce que je m'occupe bien d'elle, je lui porte attention, malgré la fatigue. On joue, on court. La nature prête attention à tous les actes que nous posons. Le grand-père me le dira. Et puis, je vais poser la question finalement, cette fois-ci, question très profonde, à mon grand-père, du côté de mon père. Parce que le grand-père dont je vous parle, c'est le mari à la petite sœur de ma grand-mère Sassa, qui était Sake, ma mère à mon père, mais sa tante, la tante à mon père, qui épousait ce monsieur Kotala, qui m'a élevé, monsieur Mbombo. C'est lui qui va me parler de cela. Mais maintenant, quand je me reconnecte avec son beau-frère, je pourrais plutôt dire son rival. Parce que Vandré Onouvier épouse Sassa. Mouma, la petite sœur de Sassa, épouse Mbombo. Lorsqu'ils vont se retrouver en 1938 jusqu'en 1949, lors de la formation militaire. À leur retour en 1970, bien sûr retraités, ils ont vécu un moment à Bangui. Mon grand-père, André Onouvier, propose à l'autre, mon grand-père, donc le, qui deviendra plus tard son rival. Je vais expliquer. Le grand-père Onouvier épouse donc Sassa, la femme Sake, qui a mis au monde mon père et tous mes oncles. D'accord? Elle, Sassa, a une petite sœur qui est libre. Et c'est comme cela. Monsieur Mbombo, qui est à l'armée avec son beau-père, avec son beau-frère, disons, avec son frère d'armes, son compagnon d'armes. Parce que Mbombo est Kota, monsieur Onouvier Vandelin, il est gallois, mais comme par hasard, il se retrouve là-bas et va lui parler de sa femme. Et c'est comme ça, le gars lui dit, mais écoute, hook me up, comme on dit en anglais. Please, hook me up, man. You got such a beautiful woman. Et c'est comme cela, donc, monsieur Mbombo va rentrer en contact avec la petite sœur de ma grand-mère Sassa. Et c'est ainsi que les deux soldats, après leur retraite, ils vont finir leur vie là à Lambaréné. Mbombo, c'est celui qui a vécu très longtemps. Il est allé jusqu'à 105 ans. C'est en 1991 qu'il nous quittera. Bref, maintenant, avec le grand-père Vandelé Onouvier, je lui poserai la question, mais comment? Toi, tous les samedis, je te vois, tu es dans ton boutique Moupal. Oh, y'a boutique Moupal, oh, y'a boutique Moupal. Ah, mais les dimanches, tu oublies même d'enlever le kaolin. Tu te retrouves à l'église. C'est quoi cette affaire, grand-père? Explique-moi. C'est là qu'il me dira ceci. Le colon nous a amené la religion des blancs. Il n'y a pas que du mauvais là-dedans. Je suis conscient. Mais tout est question des égrégores. Ah, vous comprenez maintenant le secret. La première personne qui va me sortir le mot égrégore, c'est mon grand-père. En 1974. Et je n'oublierai jamais un jour mémorable. Du 27 juin 1974. Nous avons cette discussion qui va durer pendant près de 6 heures autour du feu. Il me dira, la religion n'est pas mauvaise. Mais les principes moraux, regarde ces gens-là. Ils ont des leçons à donner à qui? C'est le même prêtre qui engrosse nos femmes. On se retrouve avec des femmes, avec des enfants métis. On se retrouve avec des sœurs qui fouillent, qui mettent des gaines pour serrer le ventre. Et à la fin, ils vont accoucher là-bas, chez elles en Europe. Elles reviennent, on leur donne des congés. Soi-disant des congés alors qu'ils ont pris des congés de maternité. Ça, c'est de l'hypocrisie. Alors, le thème de ce jour, je n'attaque personne, je parle sur des faits. C'est la question qui m'a été posée. Pourquoi la plupart des hommes et des femmes religieux, et pourtant ils prient Dieu tous les jours, mais on a comme l'impression que rien ne marche pour eux.
On a vu dans les foyers. Monsieur, madame, ils sont tout le temps alléluia à l'église. Ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Monsieur et madame sont à l'église, mais la femme manque de respect au mari. La femme, quand elle rentre dans l'église de jalousie, elle va tout casser au passage. Mais le dimanche, ils sont à l'église. Donc le grand-père me dira que, aux yeux de Dieu, ces mecs-là, ils s'en foutent. Revenir sur ce que mon grand-père a dit, Mbombo. Marie à ma grand-mère, petite sœur de ma grand-mère, Sassa, Mouma, qui me dira, la nature nous observe, la nature nous écoute. Tout ce que nous posons comme acte est enregistré dans la mère nature. Nos amis les hindous, pour ne pas dire les indiens, de l'Inde bien sûr, ont utilisé une expression qui a été Europeanized, I don't know how to say it in French. Pardonnez-moi, le mot m'échappe en français. Europeanized. Donc, chez les Européens, ils ont pris ce mot-là qu'on appelle les archives akashiques. Dans le monde éthérique, monde profond de l'invisible à l'œil nu, mais réel, lorsqu'on sort de notre corps, on verrait cela. Se trouve donc enregistré l'écho de nos paroles, l'écho, les flashs, même les pensées. D'où, pour mes anciens, moi je vous dis, il faut toujours faire l'exercice de rétrospective. Là, je reviens auprès des clients. Depuis 11h du matin que je suis sorti. Certains, c'était pour les consultations, d'autres, c'était pour les travaux de guérison. Quelques étudiants, ils m'ont reçu au campus, ils ont voulu des rites initiatiques qu'ils ne comprenaient pas. Et rassurez-vous, hein, ils me payent mon carburant, ils me payent mon transport, ils payent tout, les frais. Bref, juste un détail, parce que l'homme africain aime trop tout ce qui est gratuit. Donc, la question qui m'a été posée parmi ces étudiants, ça c'est un étudiant rwandais, dont les parents, c'est des grands chrétiens. Vraiment, premièrement, quand on dit chrétien, ça semblait de Dieu. Mais il me dit, il constate que c'est des véritables terroristes, dans le sens où ils forcent les enfants à la religion. Les enfants disent, mais non, maman, papa, on a plus de 18 ans dans la liberté. Non, pas question, vous irez en enfer. Mais l'enfant, quand je lui ai posé des questions, j'ai dit, enfant, bon, c'est un jeune homme, hein, il a 24 ans, il prépare son doctorat à l'OSU, au Ohio State University. J'ai dit, mais voyez-vous, quel est le comportement des parents? Il me dit, mais c'est à cause de cela que nous ne voulons pas rentrer là-bas. La première leçon qu'il faut retenir sur cette intervention, sur cette question fondamentale, pourquoi la plupart des religieux, leur vie, en fait, on ne voit pas vraiment que c'est des gens qui adorent un Dieu vivant comme ils le prétendent. Et quand je le dis, je ne manque pas de respect à Dieu, le Créateur, comme on l'appelle. Je ne manque pas de respect au Grand Esprit qui contrôle toutes nos vies. Autrement dit, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Avoir des privilèges. Là encore, je ne veux pas vous parler de ma vie privée. J'ai beaucoup de privilèges que je reçois. Depuis que j'ai compris vrai secret de me connecter avec lui. Donc, il est très important par rapport à cette question que mais pourquoi ces mecs-là, pourtant qu'ils prient tous les jours, et ils sont même les premiers à me consulter en privé. Oh maître, moi, je vais à l'église tous les jours. Il y en a trop de témoignages. Si je me mets à les lire là, bon, on risque de rester là jusqu'au matin, quoi. Il y en a trop. Et je vais seulement lire brièvement quelques-uns. Oh, maître, et pourtant, je suis. Machin. Qu'est-ce que l'homme me dit ici, là? Une personne qui m'écrit. Elle vient d'où, la personne? Pardonnez-moi, mais il est très important que je revienne sur cette question-là. Ah,
personne n'est au Gabon. Chose de mon corps. J'espère qu'elle ne va pas se fâcher. Mais en tout cas, elle va se reconnaître. Bonjour papa, je suis une jeune Gabonaise, hein, cadre d'une société de la place. Je vais à l'église, je suis servante. Depuis un moment, je suis en liaison avec un homme marié. Mais j'avoue que il me donne tout, mais quand tu apprends la décision suivante, il ne veut pas. Je m'arrête ici. Voilà de quoi je parle. Toi, tu vas à l'église. Le monsieur est marié. Maintenant, toi, dans ta prière, où tu vas te mettre le genou? Parce qu'elle m'a fait la demande, justement, de dire, mais y a-t-il possibilité de faire, y a-t-il des rites, ou bien pouvez-vous prier pour moi, faire en sorte que cet homme-là, parce que je sens que là-bas, dans le foyer, ça ne va pas. Mais qui ne nous dit pas que l'homme a dû lui mentir parce qu'il a les sensations d'une jeune fille, parce qu'elle a à peine seulement 32 ans. Le monsieur a la soixantaine, il a nos âges là. Et la femme a la cinquantaine dépassée. Donc, il est sûrement troublé par les prises de judo que la petite, parce que vous savez que la petite s'applique, elle veut s'insérer, elle va avoir sa place dans le foyer. Vous trouvez-vous normal? Vous là, vous êtes religieux, vous priez Dieu. Est-ce que ce comportement est acceptable? Je respecte l'anonymat de la personne. Et je reçois des milliers de courriers comme ça. Quand j'ai lu plusieurs de ce jour, j'ai lu peut-être près de 60 et quelques, allant tout dans le même sens. Oh, je suis prio. Oh, mais moi, je suis pasteur. Oh, mais je ne comprends pas. Je n'arrive pas à voir les membres de l'église. Je n'arrive pas à voir un nombre de membres. Est-ce que vous connaissez un rite qui peut le faire? Ah bon? Vous voilà, vous. Vous êtes homme de Dieu. Quand vous criez comme des fous, là, oh, yayo, le Saint-Esprit, ceci, cela. Et vous venez encore vers nous, qu'on traite de diabolique, pour chercher des services. Pour dire quoi? Le Dieu qui nous a créés, nous tous, il n'est pas un Dieu de religion quelconque. Dieu n'est pas une propriété religieuse. S'il faut m'exprimer terre à terre, parce que Dieu, ce n'est qu'un titre. Tchambakana. Dibangabanga. Il n'est pas. Cet esprit-là n'est pas pour une classe quelconque. Et cet esprit-là ne voit pas, comme le dit, je crois, Jésus dans la Bible des chrétiens, que ce n'est pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, Seigneur » qui hériteront le royaume de Dieu. Mais ce sont ceux qui font réellement la volonté de mon Père. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire la volonté de mon Père? Certaines religions vont vous dire « Non, c'est d'aller prêcher la bonne nouvelle ». Mais quand vous partez prêcher la bonne nouvelle, en temps vous couchez entre vous. Quelle bonne nouvelle! Faire la volonté de Dieu réellement, c'est se mettre en harmonie d'abord avec vous-même, avec les autres, avec la mère nature. Et quand je parle de mère nature, les chiens, les chats, votre maison, il faut prendre soin de votre maison. Ne mettez pas des tâches. N'osez pas vous battre dans la maison, parce que la maison va enregistrer même cette bagarre-là. Et la maison devient une maison hantée. La maison a un esprit. Ou la maison a des esprits. La maison est une créature vivante. Vous allez me prendre de fou. Faites l'expérience d'abandonner une maison même pendant un mois. Un an plus tard, revenez. La maison est moche. Elle est morte. La maison vit en fonction de vos vibrations. La maison vit en fonction de vos fréquence vibratoire, en fonction de ce que vous faites dans cette maison. Si vos pensées sont positives, cette maison va attirer beaucoup de choses. Mais si vous êtes tout le temps dans des jalousies, dans des histoires, vous êtes dans une relation. Tout le temps, vous faites des scènes de jalousie. Ce n'est pas interdit, hein? Mais attention, il y a des jalousies qui dépassent les limites. Vous faites des jalousies, vous allez casser le matériel du pauvre monsieur. Sur simplement parce que quand vous étiez peut-être un peu plus jeune, le monsieur avait des copines. Et pour vous, ça n'est pas sorti de votre tête. Le monsieur a maintenant 70 ans, 75 ans. Non, c'est qu'il va trouver des femmes. Vous lui rendez la vie dure. Et quand vous regardez votre vie, et pourtant vous partez à l'église tous les jours,
les choses apparemment ne marchent pas bien pour vous. Et pourtant, ce monsieur, il ne va pas à l'église. Mais sa vie est bénie. Et ce que je vous parle, n'avez-vous jamais été témoin de ce que je dis là? La personne est pourtant, elle va à l'église. Mais vous posez des actes. Qu'est-ce qui vous amène à... Le monsieur vous a déjà épousé. Le monsieur vous a présenté chez ses parents. Et quand il vous présente chez ses parents, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que même les ancêtres ont accepté. Maintenant, vous vous comportez. Vous menez une vie dure à ce monsieur. Vous lui faites la misère. Vous lui tapez la bouteille sur la tête. Vous l'accusez de tous les noms d'oiseaux. Vous n'avez plus confiance à lui. Mais en temps, vous voulez toujours être autour de lui. Vous vous contredisez même. Mais quand on n'a pas confiance à quelqu'un, pourquoi rester autour de ce quelqu'un? Voilà autant d'actes qui font que, même si vous partez à l'église tous les jours, là, ça, on appelle ça de l'hypocrisie. Parce que Dieu, je vous le dis en vérité, il agit par pouvoir délégatoire. Et ces pouvoirs sont régis par les quatre éléments et par les cinq règnes. Il agit dans tout cela. La nature, comme l'avait dit mon grand-père Mbombo, la nature enregistre tout ce que vous faites. Vous insultez le monsieur, vous le menacez, vous prenez le téléphone, vous appelez des amis et connaissances pour traiter votre mari de pied d'oiseau, de voleur, de bandit. Mais est-ce que vous imaginez les ondes que vous envoyez dans l'espace, les ondes que vous mettez dans la maison? Maintenant, quand le monsieur va dire non, je quitte, il est même très gentil, il préfère s'éloigner de vous. Il demande pas le divorce, il demande une séparation. Ça ne vous fait même pas réfléchir. Vous ne pouvez même pas venir plier le genou devant le monsieur que non, vraiment chérie, pardon. Je demande pardon, je me suis mal comporté. Vraiment, je ne veux plus répéter ça. À un certain âge, les hommes deviennent trop sensibles, mesdames. Une femme, quand tu as dépassé 50 ans, quand tu te comportes mal, lorsqu'un homme t'abandonne, lorsqu'il prend la décision de t'abandonner, quand tu as la quarantaine, là, tu te dis, oui, je suis jeune, les hommes vont me chercher. 50 ans, l'homme qui va te désirer, il va te poser la question, tu as combien d'enfants? Autant. De petits-enfants, oui. Il va réfléchir. Tu as fait combien de temps avec ton ex? Oh, on a fait 15 ans, ou bien on a fait 30 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il t'a laissé? Non, c'est l'homme qui était mauvais. Et là, vous faites maintenant un portrait négatif sur l'homme. Ça s'applique également aux hommes. Hein. Non, la femme que j'avais, elle était mauvaise. Elle était ceci, cela. La femme vous a abandonné, non. Parce que vous pensez qu'il n'y a que la femme qui abandonne l'homme. L'homme aussi peut abandonner la femme. Mais c'est à cause de l'amour qu'il a eu pour vous, ou bien qu'elle a eu pour vous, qu'elle est là et n'a pas le temps d'avoir copain ou copine. Pardonnez-moi, c'est un exemple pour vous dire que, sur cette question-là, pourquoi les hommes qui adorent Dieu, là, leur vie est bloquée? Mais la réponse est simple, non? C'est la contradiction entre la parole qu'ils prient et les actes qu'ils posent. Parce que tout doit aller ensemble. Nous qui sommes dans les rites, c'est pareil. Hein? Il y a des frères initiés qui les connaissent un peu trop. Mais vous verrez, tout ça en fait partie de ce que nous, on nous appelle les hommes du monde. Mais vous verrez que la plupart des hommes du monde, hein, qui soient dans son boutique, quoi, la plupart des gens dans le monde là, qui ne sont pas religieux, qui ne prient pas, ils prospèrent, ils réussissent. Vous connaissez la religion de Arnold Schwarzenegger? Vous connaissez la religion de Jean-Claude Van Damme? Vous connaissez la religion de Tom Cruise? Bon, c'est vrai qu'il met beaucoup d'argent dans la scientologie, mais ce n'est pas une religion, ça. Pourquoi? Mais parce que ils sont prospères. Parce qu'ils se sont connectés à Dieu. Dieu n'a rien à cirer avec la religion. Ça, je vous le répète tous les jours, vous qui m'avez posé cette question-là. Oh, la religion, c'est l'homme qui a fabriqué. La meilleure religion, c'est celle qui est intérieure. La Bible, le Coran disent la même chose. Que le véritable temple de Dieu est à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est là où le grand travail doit se faire. Purifiez votre cœur. Purifiez votre bouche. Mais vous êtes à l'église. Je suis chrétien. Mais je n'ai vous. Je vois même sur TikTok. Je suis chrétienne.
machin. Mais en temps, on vous voit la bouche pourrie. Et j'ai déjà expliqué dans une vidéo aussi ce que ça veut dire la bouche pourrie. La bouche pourrie, c'est celle qui insulte les gens. C'est celle qui mijote, qui parle des choses qui n'ont aucun fondement. La même bouche qui va se mêler des affaires politiques qu'on ne maîtrise pas. Vous allez faire des fausses déclarations, la bouche qui sent. Et en même temps, vous êtes à l'église. Vous allez accuser l'homme d'avoir mis une femme sans main parce que c'est quelqu'un qui est un homme du public. Vous allez l'accuser de tout cela, sans aucune preuve. Voilà la bouche qui sent. Faire des faux témoignages, la bouche qui sent. Parler trop, des journées entières, la bouche qui sent. Vous êtes là que sur le téléphone, à crier. Vous ne donnez même pas le repos au téléphone. Et vous demandez même le téléphone, même le plus sophistiqué. Ça commence à déconner, ça ne fonctionne plus bien. Parce que votre bouche sent. Et vous allez vous demander comment vous allez être béni. La nature vous punit. C'est cela la réalité. La réalité, c'est là. C'est que quand vous n'êtes pas en harmonie même avec les lois du Dieu que vous adorez, quand vous n'êtes pas en harmonie avec la nature elle-même, mais vous êtes complètement calboigné. Or, nous, dans nos enseignements initiatiques, moi personnellement, je ne sais pas ce que disent les autres, moi je dis, pour avoir une vie équilibrée, pour avoir une vie bénie, pour que Dieu vous bénisse, et moi je dis, pour que les dieux vous bénissent. Oui, parce que celui-là que vous appelez Dieu, ce n'est pas Dieu. Hein. C'est la grande énergie, c'est le grand esprit. Mais qui est dans d'autres dimensions, hein? Lui-même il le dit, après avoir créé, il est parti. Il est dans un repos, mais il n'est pas dans un repos au sens humain du terme. Parce que les Elohim travaillent pour lui. C'est-à-dire les génies et tout, nos ancêtres. Voilà les délégués de Dieu. Et ces délégués de Dieu, ils sont là, ils nous voient, ils observent. Mais la nature de Dieu, les arbres, la nature enregistre tout ce que nous faisons. Les actes de bienveillance. La justice. Vous êtes à l'église, mais vous ne manifestez aucune justice. Vous faites la guerre aux gens qui ne vous donnent pas les dîmes à l'église. Vous faites le m'as-tu vu. On est homme de Dieu, on permet de s'acheter des voitures de luxe. Ça a commencé comment ? Oh, vous êtes béni. Pour être béni, vous avez besoin du matérialisme? Non! Vous voyez la contradiction? Il y a beaucoup à dire, hein? Mais je vous le dis en vérité, les actes que vous posez, c'est ça qui compte énormément aux yeux de Dieu. Parce que votre Jésus, ceux des chrétiens l'avaient bien dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui hériteront le monsieur? Parce qu'il savait, quand il a eu le conflit avec les docteurs, là, de la loi. Vous êtes des tombeaux qui blanchissent de l'extérieur, paraissent beaux à voir, alors qu'à l'intérieur, c'est des pourritures, des ossements pourris. Il a eu un langage trop fort qui a perturbé l'entendement de ces mecs-là. Mais parce que c'est des mecs qui étaient des escrocs, qui étaient mêlés, qui se mêlaient de la politique, et ainsi de suite. Donc, les actes que vous posez, chers frères, moi, voilà ma solution que je propose. Il faut créer une relation binaire. Alors, qu'est-ce que c'est une relation binaire? C'est d'abord une relation qui vous permet, la première, cette relation binaire qui vient d'eux, elle est à la fois verticale et horizontale. Verticale, horizontale. Verticale, donc, ça part du bas vers le haut. Horizontal, ça part de la gauche vers la droite. Voilà ce que je propose dans mes enseignements. Et ce que j'ai toujours soutenu. Et ce que je partage. Et ce que j'ai écrit et je continue à écrire tous les jours. Pour que vous puissiez arriver à la réalisation de soi. Cette réalisation, c'est des termes, c'est des mots. Ce qui veut dire tout simplement, pour que vous arriviez à cet état où normalement, vous devez mener une vie normale, où rien ne doit vous manquer. Et pour arriver à cet état, il vous faut vivre donc en harmonie avec la nature,
avec les dieux. Et cette harmonisation, elle est possible par, un, la relation d'abord verticale et la relation horizontale. Cette relation verticale ou cette liaison verticale, ça veut dire quoi? Mais vous rentrez d'abord à l'intérieur de vous-même. C'est pour cela que je parle du bas vers le haut. Et quand vous rentrez à l'intérieur de vous-même, mais essayez de vous asseoir. Faites-vous le connaître toi-même d'abord. Mais je passe tout le temps à crier sur TikTok. Mais qui suis-je? Qu'est-ce que cela m'apporte? C'est moi parce que je fais du buzz pour que TikTok me donne beaucoup d'argent. Moi, je vous ai dit, mon compte TikTok, si je n'ai rien gagné vraiment, c'est $300. Mais je m'assure que je fais seulement un seul live dans le mois, un ou deux. Et quand je fais un ou deux lives là, c'est là où la paye monte un peu autour de $900 ou $1000, équivalent à peu près de 550 ou 600 000. Maintenant, il y a des gens qui passent des nuits. Je comprends, quelqu'un me l'a dit, oh mais comment? Tu as bientôt plus de 134 000 abonnés. Fais beaucoup de lives, tu verras, tu vas te faire beaucoup d'argent. Je dis non! Je n'ai pas créé le compte TikTok pour me faire de l'argent. C'est qu'eux, ils me payent là, c'est les petites vidéos que je projette. Hein, après un enregistrement ou quelque chose comme ça. Bref, pour dire tout simplement que la relation verticale, c'est celle qui doit nous couper des attachements. Il doit nous couper des attachements. Et quand on est coupé des attachements, ça s'appelle le détachement. Pour rendre possible cette connexion verticale, détachez-vous. Détachez-vous complètement. Dénudez-vous. Désindividualisez-vous. Dépersonnalisez-vous. Parce que la dépersonnalisation, c'est un phénomène qui vous permet d'enlever cette personnalité qu'on vous a donnée, qui est calquée sur des dogmes, c'est des doctrines qui vous embrigade votre champ de conscience, qui embrigade votre esprit, qui embrigade votre vie, parce que c'est désormais une religion, une secte, une assemblée de dieux quelconque qui dicte votre vie. Que non, on ne fait pas comme ça. Que non, on ne fait pas ça. Votre père, votre mère, c'est des sorciers. On devient maintenant des gangas ambulants. Depuis quand un pasteur devient un voyant? Depuis quand un pasteur, c'est le guide du berger, c'est le berger. Il guide simplement la troupe. Il n'est pas là pour soigner ou faire des prises de judo aux gens. Parce que l'apôtre Paul, dans le livre de Galates et le livre des Corinthiens, il explique tout dedans, hein, que chacun a un don. Vous ne pouvez pas avoir un pasteur qui est à la fois facteur, il est administrateur, il est ceci, il lorgne l'argent qui rentre, il fait ceci. Ok. Qui vous a dit qu'il faut utiliser le nom de Dieu pour s'enrichir? Voyez-vous? Donc, la verticalité dont Moréo Mouvier prêche et parle et démonte au jour, ceux qui vivent avec moi peuvent vous témoigner. Je mène une vie simple. Cela ne m'empêchera pas si je veux m'acheter, je l'ai toujours répété aux gens, même une Bentley ou la voiture la plus chère, je peux me le permettre. Parce qu'ici aux États-Unis, vous pouvez en fonction de ce que vous gagnez. Si j'ai un salaire par exemple de 6 millions par mois, je peux m'acheter une Bentley parce que la Bentley toute neuve, elle coûte autour de 250 voire 400 000 dollars, l'équivalent de 225 millions. Et vous pouvez la payer en 10 ans. Pendant 10 ans, vous faites des calculs. Vous payez donc, si j'ai 6 000 $ par mois, je peux mettre $2 400 pendant 10 ans. Pourquoi pas? Mais j'ai un compte épargne. Je peux mettre sur mon compte épargne, si j'ai près de 80 000, je prends $50 000, je donne. Parce que Bentley ou bien l'autre voiture, Rolls-Royce, RR, c'est des voitures qui durent pour l'éternité. Le moteur qui est dans ces caterpillars. Mais je peux me permettre d'avoir une voiture comme ça à la menace en Afrique, ça va faire comment? Les routes, il n'y en a pas. Il n'y a pas de bonnes routes. Voyez-vous, c'est un exemple que j'ai pris. J'ai dit, je peux bien me faire plaisir. Mais non, je ne suis pas là. Le détachement ne me permet pas de le faire. J'ai atteint un autre niveau où je ne peux pas perdre mon temps sur des choses terrestres. Là. Les femmes, je ne suis pas impuissant, moi. Je suis un homme vivant. Les femmes, il y en a plein. Trop même. Jeune comme vieille. Quand je parle de jeune, ça dit qu'entre 35 et vieille, 75, 80 ans, qui court encore derrière votre âme serviteur. Je vous dis en vérité, en vérité. Mais je suis ferme avec ces gens-là. Et ils ont peur, ils disent, moi, toi, tu es un vrai sorcier. Comment un bel homme comme toi? Je dis, ah bon, moi, je ne sais pas que j'étais beau, moi. Quand j'étais jeune, je l'admets. Mais là, à la soixantaine dépassée, je suis beau. Parce que je ne m'intéresse plus
aux attraits physiques, ça ne m'intéresse plus. Je vais à mon sport, je me maintiens. Là, dès que je veux finir avec vous, je vais à la gym. La gym est juste à 2 minutes de chez moi. Parce que je ne suis pas parti la journée. Ça, c'est comme ça que je mène ma vie. Donc, la verticalité, c'est cette relation qui s'est créée à partir de vous-même. Du connais-toi toi-même. Qui vous êtes. Et ici, sur cette chaîne de Lutte de Tanzambé, je vous ai montré la fameuse croix. D'accord? La croix. Du côté gauche, vous mettez vos défauts. Côté droit, vous mettez vos qualités. Et je suis rentré dans la démonstration. Comment cela peut opérer la vie en vous. Et ça va créer ce qu'on appelle une réaction alchimique. Là, on est seulement à la verticale. Maintenant, dans cette même verticale, je vous ai dit, il faut couper les distractions. Tout ce qui est attraction et distraction. En vue de créer un éboulement, en vue de créer une forte pression. Mais cette pression, dans le langage religieux, on appelle ça les épreuves. La persécution. Un véritable initié doit vivre des persécutions intenses. Tout comme lorsque vous tentez de réveiller votre chakra, eh bien, les érections fortes, les battements de cœur, la gorge, et les bourdonnements d'oreilles, et tout, qui sont des phénomènes psychiques, qui sont des signaux qui vous montrent que vous êtes déjà sur la bonne voie. Ça, ce n'est qu'à la verticale que tous ces phénomènes s'opèrent. D'accord? Maintenant, l'horizontale, c'est quoi? Mais l'horizontale, c'est lorsque maintenant, vous allez faire ce qu'on appelle les assises initiatiques. Ces assises initiatiques, ce sont des interdits et des lois de la mère nature que vous devez observer. C'est pour cela dans le Boété, ou bien même dans n'importe quel centre, dans n'importe quelle école initiatique, traditionnelle, soit-elle ou moderne, même dans la franc-maçonnerie, on commence toujours tout rite de la gauche vers la droite. On commence de la gauche vers la droite. Et ça a un sens. Mais ce travail de la gauche vers la droite, mais c'est un balayage de toutes les écuries, de toutes les scories. Et quand il y a ce balayage, le nettoyage de ces corps, des scories, la purification de votre aura de tout et tout et tout, c'est la verticale qui se... Plutôt, c'est l'horizontale qui fait ce grand boulot-là. Parce que l'horizontale, vous savez, le soleil se lève à l'est, se couche à l'ouest. Mais quel est le rôle que le soleil fait? Mais le soleil est là pour brûler, pour chauffer, pour donner la force. Et c'est la lune maintenant, qui est là pour vous persécuter. Bref, l'horizontale, ce sont les assises, ce sont les lois immuables de Tétamouang. À vous maintenant de les respecter. Donc, une fois que vous avez créé déjà de l'intérieur vers l'extérieur, la connexion s'est établie. Mais quand la connexion s'établit, vous vivez des épreuves. Mais ces épreuves, c'est quoi? Mais maintenant, il faut faire face. Mais pour faire face, qu'est-ce que vous devez faire? C'est là que vous devez maintenant appliquer les assises. Et ces assises, ce sont des interdits. Mais ces interdits et autres que vous allez observer au fur et à mesure que vous avancez dans, votre cheminement spirituel, en vue d'aboutir à votre réalisation, à certains degrés près, la réalisation peut se réaliser au premier degré, vous êtes content, vous vous contentez que non, moi, j'ai atteint ce niveau. Il y a d'autres qui ont atteint un niveau de réalisation où ils ont des hélicoptères, ils ont des milliards, parce que l'élément argent est tombé amoureux d'eux. Ce n'est pas eux qui ont forcé l'argent. Je vous informe, un véritable initié ne force pas l'argent. L'argent vient vers vous. C'est la vérité en vérité. Vous ne devez pas être esclave de l'argent. Ils comprennent le principe que moi j'ai appliqué et que je continue à aider certains chrétiens, le principe de Matthieu chapitre 6, verset 33. Voilà la grande magie. Matthieu chapitre 6, verset 33 et Luc chapitre 6, le verset 32. Voilà le grand secret de la prospérité, l'abondance et la surabondance. Mais pas utilisé dans le sens négatif. Le sens négatif, c'est quoi? C'est vous qui criez là-bas, oh Dieu donne-moi la prospérité. Non, quand vous appliquez Luc chapitre 6, tout ce que vous avez, vous sacrifiez. Vous allez vous-même voir. Et je parle des choses que j'ai testées quand j'étais assistant pasteur dans les églises américaines. J'ai sacrifié tout mon salaire et j'ai vu les retombées. Bref, donc, c'est cela le rôle de l'horizontal. C'est de vous permettre donc d'accepter, de pratiquer toutes les épreuves, de pouvoir être en mesure de confronter ces épreuves de manière positive par l'observation des assises. Et ces assises
c'est autant de principes qui vont renforcer votre verticalité. Et votre horizontalité est là pour vous aider à avoir tous les outils nécessaires pour que, en un mot, vous créez justement cette croix. Parce que quand vous voyez bien la verticalité et de l'horizontalité, c'est la croix que vous avez créée en vous. Or, la croix, c'est l'accomplissement de la volonté de Dieu en vous. C'est la croix dont le Christ, là, des chrétiens, parce que tout le monde est Christ, hein, tout le monde peut atteindre l'état christique. L'état christique, c'est l'étape où vous atteignez l'illumination. Cet état christique, c'est-à-dire, vous devenez l'élu confirmé. Parce que chacun de vous, chacun de nous, nous sommes des élus. Mais cette illumination est éteinte. La flamme est éteinte. Créée à l'image de Dieu, nous le sommes. Et pour arriver à cette réalisation de soi, c'est la prise de conscience d'abord. Or, cette prise de conscience, selon mes principes, passe par la verticale et l'horizontale. Et pour enfin créer cette croix. Maintenant, la croisée de du vertical et de l'horizontal va créer finalement la réalisation de soi. Et laquelle réalisation de soi va être un grand combat. Parce que le véritable initié vit des persécutions tous les jours. Vous ne pouvez pas vous imaginer les persécutions que je reçois dans la chair. Lorsque je me prive de la femme ou des femmes. Lorsque je me prive des alcools que je ne veux pas toucher. Lorsque je me prive des choses depuis que je suis né que je ne veux pas faire. C'est un combat. Donc, d'où certaines personnes qui vous diront, la vie est un combat en permanence. Donc, brièvement, pour résumer votre question que vous avez posée, pourquoi il y a certaines personnes, surtout les hommes religieux, leur vie n'arrive pas à y parvenir, à trouver des solutions à leur vie, et que les gens qui n'adorent pas Dieu pour se faire voir comme ils le font, eh bien, eux, ils réussissent. Mais voici la réponse. Ceux qui font le bruit, comme Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu, malheur à vous, parce que vous aimez vous faire voir. Ceux-là, en réalité, c'est des hypocrites. Voilà pourquoi la nature ne les obéit plus. Et on voit des pasteurs qui vont féticher maintenant pour avoir des pouvoirs. Mais ça va vous amener où? Travaillez seulement avec l'Esprit de Dieu. Mettez-y la foi. Or, nous, au niveau où nous sommes, nous ne travaillons plus avec la foi. Nous travaillons avec la vérité. Nous travaillons avec l'Esprit. La vérité et l'esprit. Et vous verrez, tout marche très bien. Et c'est ainsi que eux, c'est pour cela qu'ils sont là. Ils vont ce qu'on appelle en position de stagnation. Ils avancent, ils reculent, on ne sait pas là où ils vont. Mais dès lors qu'ils vont mettre en valeur ça, quand je parle comme ça, je n'ai pas dit que tous les chrétiens ou bien tous les musulmans, ou je ne sais pas, tous les religieux sont comme ça. Non. Il y a des religieux qui ont compris que l'homme intérieur doit d'abord être développé. Il y a des religieux qui ont compris qu'on peut à la fois travailler de manière ésotérique et puis exotérique. Je donne crédit aux musulmans. Eux, ils l'ont compris. L'Église catholique, ils ont compris cela. Et l'Église orthodoxe également, grecque et russe, ils ont compris. C'est comme cela, normalement, la vraie religion va faire. Il faut le côté ésotérique et le côté exotérique. Dans le Bouddhi, il y a un côté ésotérique secret réservé uniquement aux initiés. Quand les grands initiés se retrouvent ensemble, ils échangent leurs combos, ils parlent des choses. Même les bandits, non, il ne doit pas être là. Même les petits nganga parfois, il ne doit pas être là. Là, c'est la conversation des grands. Donc, il en est de même dans la spiritualité. Maintenant, eux, ils ne réussissent pas. Maintenant, ce que je viens de vous dire, ma croix qui se réalise à partir des lois, verticales et des lois horizontales, afin d'accomplir la véritable croix dont le Christ, je n'ai même pas fini cette phrase, le Christ dit quoi? Que chacun de vous porte sa propre croix. Mais pour porter sa propre croix, c'est quoi? Moi, Morion, je vais vous dire que vous puissiez porter votre propre croix. Eh bien, il faut comprendre ce principe de la loi verticale et de la loi horizontale. C'est une grande initiation. Tous les plans sont là. Je vous dis, invitez-moi pour les séminaires zéro, comme le disait le vieux Omar. Hein? Je demande des jeunes qui doivent m'aider pour que je puisse compiler et finaliser ce livre-là. Zéro. Et quand je parle des jeunes, c'est-à-dire financièrement. Je suis obligé de me battre tout. Je ne fais que vous le répéter. D'ici là, les gens vont m'appeler, je m'en vais. Tout ce que je laisse là, ça, vous savez. C'est les Américains, tous les enregistrements sont ici, là. Savez-vous que ce compte YouTube est contrôlé par mes amis américains?
TikTok, tout, ils ont déjà fait des enregistrements de toutes mes vidéos aussi, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, voici ce qu'il faut retenir de la leçon du jour, c'est que ben, on trouve des canards boiteux partout, mais pour le cadre, pour être plus près, proche de la question qui a été posée, pourquoi les religieux ne reçoivent-ils pas les bénédictions? Pourtant, ils prient, prient, crient comme des fous. Eh bien, je vous ai donné la réponse. Et je dis que c'est la nature elle-même qui, en fait, vous observe. La nature, les dieux, vous observent. Notre comportement dans le plan vertical et horizontal, eh bien, joue un rôle très important parce que dans le plan vertical, c'est quoi? Mais c'est la relation avec Dieu. Ça part du bas vers le haut. Donc, c'est vous qui êtes maintenant en relation avec Dieu, avec les dieux, avec vos ancêtres, les génies. Là, vous avez créé cette connexion. Mais pour que cette connexion soit permanente, il vous faut finalement le côté horizontal, c'est-à-dire que les principes immuables. Et aussi, ne pas juger les autres. Ça passe également par l'horizontal. Ne jugez pas les autres. Acceptez les autres. Donnez cette lumière. Ne bloquez pas. Aimez vos ennemis. Mais l'ennemi qui va vouloir faire du mal, il ne va jamais vous faire du mal. Je m'arrête ici. J'espère que je n'ai pas offensé mes frères religieux. Mais réfléchissez-y par rapport à ce que j'ai dit. Que Tétan Mwangadi Bangabanga vous bénisse. Merci beaucoup. Et surtout, bon début de week-end. Peut-être ce samedi. Bientôt, il va être 1h du matin. Peut-être que ce samedi, entre 9h et 15h, je donnerai encore un autre enseignement parce qu'il y a près de 4 vidéos préenregistrées que je vais balancer. Que vous ne soyez pas, vous ne vous ennuyez pas. J'ai eu près de 3 jours de repos, y compris le week-end. Ça me fera presque 5 jours. Je profite de ce temps-là. Merci beaucoup. Merci encore.